monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif. Donc on est dimanche et vous allez pouvoir découvrir tout ce que j'ai fait cette semaine dans mes différents loisirs, donc la broderie, le tricot, le crochet, le diamond painting, le coloriage, tout ça. Alors, d'abord, comme je fais d'habitude, oui, d'abord, il y a toujours le calendrier de l'Avent qui continue sur ma chaîne, donc jusqu'au 24. Très, très, très heureuse du nombre de participations. Je vous en remercie beaucoup. Voilà. Donc, ça continue, n'hésitez pas à participer. Et n'hésitez pas, du coup, à vous abonner à ma chaîne. Parce que c'est plus sympa d'être abonné. Alors, j'avais prévu plusieurs choses à faire cette semaine. J'ai marqué sur ma petite feuille. Je ne sais pas si j'ai tout... Non, j'ai pas tout. J'ai pas tout fait. Oui, parce que on a eu les courses, j'ai eu des choses à faire comme tout le monde. Du coup, j'ai manqué un peu de temps. Alors, j'avais prévu en broderie. La broderie du jus de carotte de Lily Point. Le sale d'Uren Jones. Mon sale du calendrier de l'Avent, le sale mystère de Sabine, ma broderie fleur que je fais en duo avec Céline, ma broderie Dragon Book, la broderie grenouille de Sabine, poussière d'étoile, le sale de Julia, le All Forest, ma broderie toast à l'œuf frit, la broderie maison météo de jardin privé, la broderie le sale de maison météo 2024, ma broderie estampée et peut-être mon cheval. Voilà. En tricot, j'avais le débardeur de chouchou, mon pull camionneur à moi et mon pull fil d'art, la couverture. Je voulais me faire un bandeau, voilà, et voir si je reprenais, si j'étais enfin décidée à reprendre les chaussettes. Voilà. Oh, ça y est, je commence déjà à bâiller. Et aussi le DP et faire au moins un DIY en DP. Alors, comme d'habitude, on va commencer par le diamond painting. Alors, je voulais faire 5 cases, j'en ai fait 4. Il y a pas mal. La voici. Regardez-moi ça. Là. Toujours aussi brillant. Alors, la cinquième, c'était celle-ci que je devais faire et j'ai pas pu. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Je sais plus. Alors, j'ai fait celle-là. J'ai fait quoi? Celle-là, ouais, ici. Et la quatrième, je ne sais plus. Ah, ici en bas. Voilà. Ici. Voilà. Donc, il nous reste 6 cases maintenant. Il reste la 14, la 15, la 16, la 17, la 23 et la 24. On joue au loto? Donc voilà, je vais vous remettre l'image ici et les chiffres comme d'habitude pour que vous puissiez voter
pour les numéros que je voulais que je termine, donc vous en votez 3 ou 4 à votre choix. Alors, je verrai si je le fais en une fois ou si ce sera fait en deux fois. C'est bête parce que j'aurais bien le terminé pour Noël. Et Noël, c'est quand Noël? Ah bah c'est dimanche prochain, oui. Donc, bon, on verra bien. Si je fais les 6 ou si j'en fais... Si j'en fais 3 ou 4, on verra bien. Donc, je vous laisse voter pour les chiffres que vous souhaitez que je fasse. Voilà. Alors, ça, c'était le DP. Et pour la nouvelle année, on en commencera un autre. Je pense que je regarderai ce que j'ai en DP et je vous ferai voter comme d'habitude pour savoir lequel vous voulez que je fasse. Bon, mais ça, on verra pour la nouvelle année. Alors, je voulais faire un DIY, donc il est fait. Voilà. Donc j'ai fait un sapin. Il est tout tout beau. Avec des grosses perles, des strass. Alors j'avais peur que il y avait deux rouges. Et là maintenant, avec le retour caméra, je vois quand même qu'il y a une différence. Parce que sur le coup, quand je l'ai fait, j'ai mince, je dis. Ça ronfle. Je voyais pas trop de différence de rouge. Mais si, ça y est, je le vois. Voilà, on voit. Il est plus foncé. Là, il est plus clair. Ok. Donc, il est zoli. Alors, on va le poser pour pas. Attention, vous allez voir ma grosse tête. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, bah, je vais vous montrer ça tout de suite, mais vous l'avez peut-être déjà vu en photo. Sabine avait mis dans la dernière box en cadeau. Un tambour et son petit modèle de broderie à faire. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai fait. Le voici. Alors, j'ai fait quelques petits changements. Moi, j'ai mis des perles là où il fallait mettre des points nœuds. Le ruban rouge, comme vous pouvez voir, je l'ai entouré d'un fil métallique couleur or. Voilà, je cherchais. Ce fil est de la marque Bergère de France. Et je l'ai brodé. Alors, j'ai eu un peu de mal, mais je voulais que la bordure dorée soit épaisse. Et du coup, je l'ai brodé en 6 fils, en 6 brins. Voilà. Mais ça va. J'ai. Et là où il y a du vert clair, voilà, j'ai utilisé le fil étoile. Mais je pense que le fil étoile se verrait bien si c'est des blocs. Voilà. Là, c'est des points par-ci par-là et du coup, non, on voit pas trop. Bon, c'est pas très grave. Donc moi je l'ai brodé sur une toile étamine que j'ai eue aussi chez Sabine. Voilà. Donc j'ai fait le montage sur le petit tambour. Bon, c'est pas top top top. Alors derrière c'est pas top du tout. Avec la chaleur ça a bougé. Mais bon, on s'en fiche, on regarde pas le derrière. Voyez. Voilà. J'ai mis un tissu comme ça, mais bon, ouais, ça a bougé un peu, ça s'est un peu rétracté. Oh là là, je crois que je vais bâiller tout le long. Il faut que je me réveille. Il faut que je me réveille.
Je suis très 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 fatiguée parce que depuis 2 3 jours j'ai très 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 mal au ventre, j'ai mon dos qui est encore rebloqué, donc enfin moins qu'avant, mais je sens quand même que j'ai un dos et du coup je prends des cachets tout ça et puis je, pouf, ça me Donc voilà une broderie de fête donc qui n'était pas prévue. J'ai mis une petite journée pour le faire. Je n'ai fait que ça ce jour-là d'ailleurs. Voilà. Alors ensuite. On va continuer dans la broderie. Allez. Mon jus de carotte Lily Point. Voilà. Bon, là, du coup, vous voyez pas en entier, mais je vous aurais remis une photo. J'ai avancé ma partie de Vichy. Voilà. Je suis arrivée presque au bout là, du Vichy. Et... Alors, toujours aussi agréable à faire, hein, toujours, j'aime beaucoup, beaucoup. Là, du coup, alors, comme je vous avais dit, hein, je ne sais pas si je vais commencer à reprendre au niveau du feuillage des carottes. Alors, j'ai peut-être envie de faire ça parce qu'au moins. Une fois que c'est fait, je suis débarrassée. Parce que c'est la partie la plus complexe, là, de la broderie. Et comme ça, je finirai par le texte de la recette. Ça ira beaucoup mieux, je pense. Alors, attendez, je vous montre ça. Hop, viens là, 2 minutes. Voilà. Donc, je voudrais passer à cette partie-là, après, faire les 2 feuillages de carottes. Et comme ça, après, il me restera plus que le reste de la recette à faire et ça ira très vite. Voilà. On verra. On verra, on verra. Hop. Alors, je vous avais dit que j'allais voir pour les autres grilles, hein, mais bon, pour l'instant, j'ai pas pu. Mais ça. Je pense que le mois prochain, ça ira un peu mieux. Oh mince. Pour que je prenne au moins une des 3 grilles que je voudrais. Voilà. Donc, là, le jus de carotte, c'est bon, c'est fait. Ensuite. Celle-ci. Alors, celle-ci, que je me mets à ma page, oui, voilà. C'est une horreur, hein, aujourd'hui. Pardonnez-moi, je fais vraiment pas exprès, mais je suis vraiment cassée de chez cassée, là. Alors, le Hall Forest, voilà, le sale de Julia. Donc, la dernière fois, je vous avais montré que j'avais terminé la maison citrouille. Hein, voilà, ça c'est fait. Et voilà, j'ai repris ici, donc le vert, le feuillage. Et ici, on a encore un genre de maison de citrouille, voilà, en couleur beige rosé. Donc, la broderie All Forest. Cette semaine, j'ai fait 270 croix. C'est-à-dire que ce mois-ci, j'en ai fait 747. Et il faut en faire 1000 par mois. Donc là, j'aurai atteint mes 1000 par mois la semaine prochaine, sans souci.
J'en suis arrivée à 29,68% sur la totalité de la broderie. Soit que j'ai fait 3747 croix sur 12625. Voilà. Donc j'aime beaucoup toujours. Elle est top top. Voilà. Donc cette semaine, je pense que j'aurai terminé. Oh. Je suis vraiment désolée. On va se coucher. Ouais, il reste quoi? 750. Ben, il reste 253 croix à faire. Donc ce sera fait. La semaine prochaine, j'aurai fini ma partie du mois. Voilà. Toujours aussi sympa à faire. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Hop. Donc, encore un objectif d'atteint. Ici. Alors, celui-là, il est là. Deux mains gauches en plus. J'ai deux mains gauches. Alors, mon calendrier de l'Avent, bon, qui ne sera pas terminé pour Noël, hein, là, c'est sûr et certain. Donc, j'avais fait la moufle, l'étoile, le bonnet, le petit beau personnage, la maison. Et là, j'ai fait la petite voiture avec le sapin. Voilà. Très agréable à faire également. Aimer le faire, donc bon, j'ai toujours pas fait mes numéros, mais je vous dis ça, je vais voir à la fin, ou je sais pas si je trouve pas ce que j'ai envie, je vais broder mes numéros, hein, puis c'est tout. Voilà. Donc, toujours autant de plaisir à broder celui-là. Bon, là, je fais une case à chaque fois, hein, donc. Je vous dis, il ne sera pas du tout terminé pour Noël, puisque là, il y a des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il en reste 15, je vais compter. Bah, 18. 18 à faire, plus la structure qui n'est pas terminée non plus. Voilà, vous voyez, la structure n'est pas finie. Mais bon. Pour Noël prochain, hein. On va pas s'embêter. Voilà. Allez. Donc, je veux dire que j'ai fait mon objectif. C'est le principal, c'était de broder au moins une case. Elle est faite. Ça, c'est quoi ça? Non, j'ai pas travaillé dessus. Alors ici, où j'ai mis, où est-ce que je l'ai mis? Oui, ma grenouille, ma guernouille, comme on dit dans le nord. Elle a avancé. Alors, hop, tandis que j'enlève les fils, sinon vous n'allez pas voir clair. Hop, voilà. Alors, je trouve vraiment. Hop là, attention, l'aiguille, ne t'en va pas. Voilà. Je la trouve super sympa à faire, super agréable. Alors, je crois que j'en avais déjà parlé. Je sais qu'il y avait une erreur. C'est une erreur sur une ligne comme ça. Ouais, je crois, c'est sur une ligne horizontale, je crois. Il y a une erreur d'un point.
J'ai cherché, hein, j'ai essayé de trouver d'où venait l'erreur. Je la trouve pas de toute façon. Et pour maintenant, vu l'avancée de la broderie, je m'adapte sur la ligne où il y a l'erreur. Parce que je sais à peu près où est l'erreur, mais je la trouve pas. Donc j'adapte. Et puis ça se voit pas. Tout simplement. Donc voilà ma grenouille. La tête avance bien. Là, elle a déjà une patte, son œil. Voilà, le deuxième œil est là. Donc elle est chouette, chouette, chouette. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai fait sur la grenouille. J'ai fait 386 points. J'ai bien avancé. J'en suis arrivée à 24,01%. Voilà. En tout, j'ai déjà fait 2255 croix sur 9390. Donc voilà. Non, elle est top. J'aime beaucoup. Et bon, cette semaine, je vais peut-être pas l'avancer. Je vais peut-être attendre sauter une semaine parce que je n'ai pas sorti du tout la broderie mystère, le sale broderie mystère de Sabine. Et je suis très bon. On est en retard, on est en retard, hein, mais là, je suis vraiment très, 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 très en retard. Je suis au tout début de la deuxième étape. Alors que là, les filles, enfin certaines des filles, parce que bon, je ne suis pas la seule à être en retard, hein, en sont à la cinquième. En sachant que la cinquième étape est toute petite. Donc, voilà. Donc, il faut que je carbure un peu sur ma broderie mystère. Essayer de rattraper au maximum, ou tout au moins déjà faire l'étape 2. Déjà bien et voilà, donc je pense que cette semaine ma petite grenouille va rester au dodo, voilà, mais c'est pas grave, hein. On la ressortira après Noël. Un petit peu chaque broderie de temps en temps, voilà, je suis pas obligée de les faire toutes les semaines. Donc voilà pour ma grenouille. Alors, ici, celle-là, je l'ai faite aujourd'hui. Alors, j'aurais pu avancer un peu plus, mais j'ai eu de la visite à la maison aujourd'hui, la bonne visite. C'était mes petits-enfants, ma belle-fille, mon fils sont venus. Et du coup, bah, j'ai mis de côté l'après-midi ma broderie. Je l'ai reprise un peu après. Mais je suis à jour hein, quand même. Mais j'aurais voulu avancer un tout petit peu plus. Et je vais vous expliquer plein de choses. Donc, vous l'avez déjà vu. Je vous ai déjà expliqué plein de choses dessus. Voilà, c'est ma broderie météo de jardin privé. Alors. J'en suis arrivée, donc on arrive à la fin, hein, vous voyez. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai fait le petit écureuil, l'arrosoir et la fleur. Voilà. Donc la fleur correspond à la semaine. Alors, la semaine dernière, je vous avais dit, il va manquer deux pétales. Alors, je sais que j'ai une abonnée qui ne comprenait pas pourquoi, je ne lui ai pas encore répondu d'ailleurs. Parce que j'ai pas fini de répondre à tout le monde. Alors, je vais expliquer pourquoi. Normalement, dans la broderie originale, originale de jardin privé, elle demande qu'on commence le 1er janvier et le 2 janvier ici dans la brouette. Voilà. Donc, ça aurait été le 1er janvier.
Et ça aurait été le 2 janvier. Moi, j'ai pas voulu. Voilà. Et donc, les filles qui le font avec moi, elles ont toutes suivi ce que moi j'avais dit. Donc là, on les a mis une couleur, n'importe quelle couleur, hein, celle qu'on souhaitait. Et on a commencé le 1er janvier, donc ici en bas. C'est le pétale là. Donc, les deux fleurs qui sont là, ça correspond à deux pétales. Et voilà pourquoi il manque deux pétales en bas. Je vais vous montrer avec le dessin. Je vous remettrai peut-être le dessin à l'écran en même temps. Vous verrez mieux. Parce qu'il est... Voilà. Alors, attendez. Hop. Vous voyez? Ça, c'est le dernier. La dernière semaine. Donc, vous voyez que la fleur n'est pas pareille et qu'il manque un pétale. Donc, du coup, moi, cette fleur-là, il me manque un pétale plus un deuxième pétale. Alors, moi, je vais faire la fleur. Les filles vont suivre certainement ce que comme moi. Je vais faire une fleur normale, hein, pas avec la tige cassée, une tige droite. Voilà, je vais faire mes 7 pétales. Et j'ai enfin trouvé ce que moi j'allais mettre à la place de ça, de la température. Je vais marquer. Ah oui, vert 2024. Voilà, vert, VERS 2024. Et le dernier pétale, je vais le faire aller vers ce petit panneau. Voilà, le petit pétale sera ici, au milieu. Et je vais marquer vert 2024. Voilà. Là, en bas, j'ai toujours prévu de marquer jardin météo. Puis, c'est tout. Voilà. Donc, voilà pourquoi... il nous manque deux pétales dans notre version à nous, parce que là, les fleurs de la brouette, on les a fait, ça comptait pas dans le calendrier pour nous. Voilà, bah, j'espère que mes explications ont été claires. Donc, si j'ai oublié ton pseudo, mais bon, il y a tellement de messages que des fois, les pseudos, je les oublie. Si tu as besoin d'une autre explication un peu plus précise, n'hésite pas à me demander. Voilà. Donc, ça sent la fin. Donc, la semaine prochaine, j'espère finir les panneaux, tout au moins déjà ce panneau-là, faire le panneau ici. Bon, s'il n'est pas encore rempli, c'est pas grave. Il y aura une nouvelle fleur. De fait, voilà, et du coup, il restera une fleur pour le terminer. Voilà, et ce sera encore une broderie de fini. Je suis contente. Voilà, j'aurai les petites finitions à faire, hein, mais ça, c'est pas grave. Je vous avais dit, coup de perles, tout ça, mais ça va aller très très vite à faire, donc c'est pas. C'est pas très grave. Ah bah, on est déjà à notre première demi-heure de vidéo. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est quoi? Non, Duran Jones, je ne l'ai pas repris. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est là. Alors, il faudra que j'en parle à Céline. J'ai une broderie que je ne retrouve pas. La broderie qu'on fait en duo. Donc, Céline, si tu passes par là, mais je te ferai un message. Je crois que le mois prochain, au lieu de faire la fleur 3, je ne retrouve plus, je ne sais pas où elle est. Je vais encore regarder, hein, si je la retrouve avant que je te fais le message, bon, bah, c'est bon. Mais j'ai cherché partout et
pas moyen de la retrouver. Donc, je pense qu'on fera la fleur 4 pendant que je recommande la fleur 3. Voilà. Donc là, on est en train de faire cette fleur-là. Je vous montre le dessin. Donc, c'est des lys. Hein. Voilà. Et j'ai avancé dessus. Donc, celle-là, on doit la terminer pour la fin du mois. Hein. Moi, elle sera terminée. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai avancé. Donc, tout le feuillage est fait. Et tous les cœurs sont faits également. Voilà. Donc, là, il me reste... alors, une, deux, trois couleurs et un petit peu d'une quatrième couleur à faire. Et après, faire tout le point arrière. Mais ça va aller vite, le point arrière. Que j'avais déjà commencé dans le feuillage ici en bas. Donc, le point arrière va aller très vite à faire. Voilà. Donc, ça, c'est une série de broderies que je fais donc en duo avec Céline. Alors, je ne sais pas si au moment où je vous parle, si j'aurais eu sa photo de là où elle en est. Si je l'ai eue, je vous la mettrai. Si je ne l'ai pas eue, ben, je ne vous la mettrai pas. Ensuite, alors niveau broderie, ça c'est bon. C'est bon, je vous ai tout montré. Bougez pas, j'ai encore oublié ma broderie météo. J'y pense jamais, elle est tellement grande, j'y pense jamais à la prendre. Je reviens. Me revoilà. Allez. Hop. Alors là, vous ne voyez pas tout, mais je vais vous mettre des images. Voilà où j'en suis. Alors, je suis contente parce que j'ai réussi à grimper en haut de la maison. voilà. Donc là, ce sera la première ligne de fenêtre. Donc, ça sera la première semaine de janvier, deuxième semaine de janvier, et ainsi de suite. Donc, j'avais hâte d'arriver là pour après, même si je n'ai pas terminé toutes mes fenêtres, au moins, si j'arrive à terminer ma première ligne ici, je serai tranquille pour plusieurs semaines à partir du 1er janvier pour... colorer l'intérieur, voyez, colorer ici les intérieurs. Une fenêtre correspond à une semaine et donc chaque vitre, c'est une journée. Et on va broder les températures quotidiennes, voilà, dans chaque fenêtre. Et j'avais hâte d'arriver à celle-ci. Donc là, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir aller plus tranquillement finir mes fenêtres. Voilà. Dès que j'ai fini ici au moins la moitié, je vais faire les menuiseries à l'intérieur, voilà, comme ici en marron. Et après, je continuerai, voilà, tout en essayant d'attaquer le toit. Là, j'ai attaqué une petite partie du toit, voilà. Et mon mur ici, tout le mur est monté jusqu'au toit. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. Voilà, donc là j'ai bien avancé, je suis contente. Oui, maintenant c'est ce que, comme la porte, de toute façon tout en bas vous avez vu, elle est faite. La rangée de ce côté-là, ici en bas, bah, tout est fait, donc c'est bon. Je vais être un peu plus... moins préoccupée parce que j'avais peur de ne pas être arrivée à mes premières fenêtres et parce qu'il reste quoi 15 jours hein, avant d'arriver au 1er janvier. Donc voilà, il fallait absolument que j'arrive ici là-haut. Donc j'y suis.
Donc là maintenant ça va partir tout seul, hein. Je vais, ça va assez vite à faire. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo que je vous ai mise en ligne pour vous montrer moi que je suis en train de broder ma maison météo. Voilà. Donc je suis contente, ça avance bien. Bon, je suis en retard, hein, enfin en retard. Non, je suis pas en retard. Parce que j'avais demandé qu'on termine la structure de la maison le 31 décembre. Il y en a qui l'ont terminé depuis très longtemps. Mais bon, c'est surtout des brodeuses qui font comment du mono en cours. Voilà. Et c'est vrai qu'avec un seul en cours, ben, on travaille plus vite. Hein. Mais voilà. Quand on n'arrive pas à être mono en cours, c'est compliqué. Donc voilà, ma maison météo, elle avance. Et en fin de compte, j'aime beaucoup je regrette pas de l'avoir choisi, ce métier. Voilà, il est tout léger. Puis moi, je m'en sers avec mes pinces. Du coup, je suis vraiment contente de l'avoir pris celui-là. J'aimerais bien reprendre un deuxième, parce que j'ai envie de ressortir mon HAED. Je vous en avais déjà parlé. Ça m'embête qu'il soit commencé et tout, et que je travaille plus dessus du tout. Mais même si ce serait que travailler dessus 2, 3 jours par mois, c'est bon, je m'en fiche, j'avance. J'avance un petit peu à la fois. Mais comme c'est un très grand ouvrage, j'aimerais bien reprendre un cadre comme ça pour mettre mon HAED dessus. Voilà. Donc je verrai lors d'un prochain partenariat, peut-être pour en reprendre un. Et voilà. Youpi! Alors attendez, je le pose parce que bon, il est bien, mais il est encombrant. Voilà. Ça c'est bon. Ensuite. Alors, le dimanche soir, je vous ai dit que je fais un estampé le dimanche soir. Et donc, mon estampé, j'ai repris celui que je vous avais dit. Hein, je crois que je vous l'ai déjà montré je crois que je vous l'ai déjà montré la semaine dernière. Celui-ci, voilà. C'est un bonheur à broder. Hein, c'est que du bloc. Bon, j'ai pas encore beaucoup avancé, mais. Là, j'ai déjà fait toute la nervure de la feuille et tout le orange ici. Voilà. Donc, il est vraiment top. J'aime beaucoup. Bon, il va, je ne sais pas en combien de temps je le ferai, hein, mais voilà. Alors, je sais qu'il a plu à beaucoup d'entre vous. Je vous remontre la pochette. Il avait plu à beaucoup d'entre vous. Plusieurs d'entre vous l'ont commandé, du coup. Après, je l'avais montré. Mais c'est vrai qu'il est vraiment top, top. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis en train de penser que j'aurais. Mais bon, il est grand quand même pour le. Comment? Le sale du Nouvel An. J'aurais dû choisir celui-là, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, celui-là, ça, c'est celui du dimanche. Et le sale du Nouvel An, je vais prendre. Alors, vous êtes un peu moitié-moitié. Je vous avais dit, j'étais indécise. Attends, je range d'abord ça parce que sinon, ça va être le boxon. Donc, celui-là. J'avance doucement mais sûrement. Je l'aime beaucoup, beaucoup. En plus, la toile est un peu souple, donc elle est facile à travailler. Alors, je vous le remontre. Mais je pense que je vais vous refaire voter dans la communauté. Où est-ce que j'ai mis ça? Il va falloir que je fais un tri dans mon sac à broderie parce qu'il y a des choses que je ne brode pas pour l'instant.
et qui n'ont rien à faire là-dedans. Alors, ah, je les ai peut-être enlevés, non? Ah non, ils sont là. Oui. Non, c'est pas celui-là. Oh, décidément. Ah, voilà. Donc, vous êtes moitié-moitié. Alors, du coup, ça me. Je suis toujours aussi indécise pour l'instant. Pour le sale du Nouvel An. Donc, celui-là, je le commence le 1er janvier, obligatoirement. Du coup, je ne sais toujours pas lequel. Les deux me plaisent. Les deux me plaisent. Celui-là est. Le Riolis, c'est un petit peu plus petit. C'est un 21-30. Voilà. Et celui-là, c'est un carré. Donc, il fait 33 sur 33. Donc, pour l'instant, alors, je vais mettre la photo. Je ne sais pas si je peux mettre la photo dans les sondages. Je verrai. Je verrai comment je peux faire. Mais je vais vous faire revoter cette semaine pour savoir lequel je fais. Voilà. Donc je vous ferai voter pour un des deux, le Riolis ou le Dieu Sunday. Voilà. C'est vrai que j'hésite encore. Hein. J'hésite encore. Le Riolis, bien sûr, il est super beau, hein, il est magnifique. Je vais vous faire voter en sondage et comme ça vous me direz. Voilà. Celui-là, j'avais dit que je le commencerai, mais je ne l'ai pas commencé encore. Je commencerai l'année prochaine. Le petit chat, tout mignon, le petit chat. Voilà, alors est-ce que je vous ai tout montré en broderie? Oui, je vous ai tout montré ce que j'avais fait. Ah, mais non, attendez, il m'en manque un. Il est où? Bah, attendez, il est où? Il est où? Mince. J'ai perdu une broderie. Est-ce que je sais même plus si j'ai avancé dessus d'ailleurs. Bah, mince alors. Que personne ne sorte. Ah bah c'est fort. Vous voyez, il faut que je trie. Voilà. Je sais plus si j'ai avancé dessus. Est-ce que j'ai? Si, j'ai avancé. Mais j'ai pas marqué alors sur mon carnet. Non, j'ai oublié de le marquer sur mon carnet. Ouais, non, j'ai oublié de le marquer. Alors, ouais, je crois que j'ai avancé. Voilà, c'est mon dragon. Le Dragon White Book. Voilà, que j'avais eu sur Etsy. C'est une broderie de Svetlana Chiskar. Voilà. Et est-ce que j'ai la photo là? Oui, j'ai la photo. Ah oui, j'avais mis un fil. Alors ici, j'ai mis un fil.
Il est piqué là, dans la référence que j'ai besoin. C'est parce que c'est un fil, comment on appelle ça? Un blend. Donc, il y a deux couleurs dessus. Mais je ne savais pas où le mettre. Du coup, je l'ai piqué sur ma feuille. Voilà. Hop. Hop. Il y en a. Voilà. Anti-dragon. Donc là, je suis sur la tête hein, pour l'instant. Mais ça va, il avance bien. Depuis, ça faisait tellement longtemps qu'il avait été laissé de côté, ce petit dragon. Hop, il y a une poussière. Donc, voilà. Mais je n'ai pas marqué combien de points j'ai fait, ni rien. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous aurais mis la photo, de toute façon, d'avant. Comme je vous avais dit l'autre jour, hein, il fait moins de 17 sur 17. Hein. Voilà. Donc, je le brode sur une étamine 12 fils, 12,5. Une toile blanc cassé. Mais voilà. J'ai peur, je me demandais où je l'avais mis. Hop. Voilà. Bon, ben là, c'est sûr, niveau broderie, on a fait le tour. Hein. Je prends mon coloriage et je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais vous montrer le coloriage donc, que je fais en duo en ce moment avec Minky. Alors, je vais être franche avec vous. J'aime pas beaucoup ma version. Je sais pas, je crois que j'ai du mal à reprendre le coloriage. Que j'étais presque 2 ans sans en faire. Et ben j'ai du mal à m'y remettre. Et là, j'ai raté un truc en plus. Du coup, ça me plaît pas beaucoup. Mais bon. Alors, je vais vous mettre en même temps la version de Minky. Qui, elle, j'aime beaucoup. Et qui est un petit peu plus avancée que moi. Voilà. Hop. Donc, voilà ma version. Donc, cette semaine, on devait faire les gâteaux. Voilà. Alors, j'aime pas, c'est le rose un peu fluo que j'ai mis là. Au-dessus du gâteau. Je le trouve un peu trop, trop fluo. Voilà. Mais bon, tant pis. Bon, voilà ma version. Mais, je sais pas, j'ai du mal. J'ai du... C'est peut-être moi qui me trompe. Hein, ou... Bon, ça va revenir, hein, mais ouais, j'ai un peu de mal. Voilà, donc j'ai rattrapé la cheminée. Moi, la semaine dernière, je n'avais pas terminé la cheminée. Et donc, on a fait les gâteaux aujourd'hui. Comme vous avez pu voir, Minky avait fait les champignons plus les fruits en bas. Donc, ça, moi, je ne les ai pas encore fait. Voilà. Mais bon, ce sera fait également. Hein. Alors, peut-être que là, bon, je vois que je me dis que. Que j'accroche pas trop sur mon coloriage de cette fois-ci. Mais peut-être après, quand j'aurai mis le fond, parce que j'aime bien mettre des fonds, que ça ira mieux, que les coloris iront beaucoup mieux. Et je vous avais montré hein, l'autre fois, vous voyez, moi je mets des fonds. Toute ma page est coloriée. Alors, les fonds, je les fais avec... voilà, ce que je vous avais montré la dernière fois. Les fonds, moi, je les fais avec des pastels.
Et du coup, les pastels sèches. Et je pense que c'est ça qui fait ressortir après le dessin. Puis là, bon, il y avait quand même, j'avais quand même fait sur celui-là. Alors, je l'ai plus, donc je l'ai revendu. J'aurais pas dû. Je sais pas si on va voir. Ah, voilà, vous voyez. Il y a de l'encre dorée dans les. C'est rien, c'est rien. Maman a eu peur aussi, c'est pas grave. C'est un foufou. Non, c'est rien. C'est rien, c'est une moto. C'est rien. Excusez-moi. C'est rien. Va bien. Voilà, fais dodo. Fais dodo. Encore un ma boule. Comme là, vous voyez les ailes. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu. Compliqué à vous montrer, mais voilà, vous voyez, c'est irisé. J'avais un produit exprès pour faire que ce soit irisé, pas un peu pailleté. Donc je me demande si je vais pas me racheter mes produits que j'ai revendus. Parce que du coup, ça me manque pour mettre ma petite touche sur mes coloriages. Mais bon, ça va, c'est pas moche, hein. Je pense pas que ce soit moche. Attendez, je reprends ma page. Non. C'est pas si moche que ça quand même, non? Mais il y a quelque chose qui va pas. Bon, là, le dessus du gâteau me plaît pas du tout, hein, ça c'est sûr. Alors, j'essaierai peut-être de rattraper en mettant une couleur par-dessus. Je verrai. Donc voilà, bon, la semaine prochaine, je sais pas ce qu'on va faire. Je vais voir avec Minky. Peut-être les souris ou alors non, les cadeaux. Si, mais si c'est bon pour Minky, on va faire tous les cadeaux. Puisque avec Noël, on va préparer les cadeaux. Là, voilà, tout ça. Pour faire les cadeaux au pied du sapin. Voilà, on va essayer de faire le maximum de ce côté-là. Et après, je vous dis, je vais faire mon fond. Et je pense qu'avec mon fond, ça ira. Ça me plaira mieux. Voilà. Donc, niveau broderie, coloriage, c'est bon. Excusez-moi, j'ai soif. Petit verre. C'est du coca. C'est pas du vrai, hein, c'est du soda stream. Le vrai coca coûte beaucoup trop cher. Alors, je ne vous l'ai pas encore fait. Alors, avant de vous montrer le tricot, des petites choses que j'ai. Alors, cette semaine, j'ai une abonnée, et qui est d'ailleurs voisine de village avec moi, qui m'avait envoyé un message. Elle m'avait dit, je suis ton Père Noël mystère. Ah, c'est bien. Donc, elle a fait des Pères Noël, Père Noël secret, pardon, Père Noël secret. Et du coup, on s'est vus là cette semaine. Donc, elle m'avait fait une carte, mais la carte, je l'ai mis dans mon sapin. Et elle m'avait mis une petite ATC avec. Voilà, regardez comme elle est toute mignonne. Trop choupignon. Voilà. J'adore. Lydie. Encore un grand merci. J'ai adoré. Et ta carte est pendue à mon sapin.
Ensuite, alors, ça, je vais faire une vidéo pour ça. Je cache mon... Voilà. Je cache mon adresse. J'ai fait un échange d'ATC sur mon groupe. Et donc, je viens de recevoir... Oups là. Je viens de recevoir... c'est pas une... L'enveloppe est grande, hein, mais... Il n'y a pas qu'une ATC dedans. Donc, c'est pour ça que je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Moi, la mienne va partir... alors, moi, lundi, la poste est fermée. Donc, je dis, normalement, ça devrait partir mardi. J'espère qu'elle l'aura, du coup, pour Noël. Par contre, elle a mis des petits cadeaux dedans. C'était pas prévu, ça. Mais bon. Super gentil, Sophie. J'ai adoré. De toute façon, tu vois, j'ai déjà ouvert hein, quand même. J'ai regardé un énorme merci. Mais je refais une vidéo consacrée à ça. Et donc, je vous ai montré la semaine dernière ce livre. Idéal, alors c'est l'idéal crochet créatif. Donc il y a une vidéo qui sort sur les revues. Je vais y mettre des clous, il est assez roule à sa moto. là, normalement, en début de semaine, il y a une vidéo qui sort avec la présentation des revues. Et donc j'avais celle-ci, je vous avais dit le dur mince, j'ai oublié de vous le montrer. Je vous la présenterai. Donc, c'est un catalogue Plassard, voilà, avec des modèles. Il y a des jolies choses dedans. Bon, j'ai toujours le même problème. Je ne sais pas, maintenant, c'est toujours un petit peu court pour moi. Donc, s'il y a des modèles que je fais dedans, ce sera des modèles que je vais très certainement rallonger. Voilà. Je sais pas pourquoi ils font des pulls courts comme ça maintenant. Presque tous ils sont presque tous des pulls courts. Faut penser aussi aux femmes qui ont des formes qui veulent se cacher un petit peu. Je sais pas, on met pas toutes des pulls courts. Hein. On n'a pas 20 ans, on n'a pas la taille svelte. Voilà, mais bon. Il y a des petites choses à reprendre dedans, des idées, et à les adapter un peu à notre morphologie. Donc, je vais vous présenter ça en même temps que le livre de crochet. Et j'ai été chercher, hier, je crois, je ne sais plus, le dernier idéal tricot, mais c'est le hors-série. Alors, je ne... J'en ai pas vu d'autres. Enfin, si, il y en a des autres. Il y en a sur les enfants, les bébés, tout ça. Mais ceux-là, moi, je ne les prends pas. Déjà, parce que ceux sur les enfants, les tailles sont... C'est plus la taille de mes petits-enfants. Voilà. Maximum, c'est jusqu'à 12 ans. Et des bébés, il n'y en a pas par chez moi. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas acheter non plus des revues qui ne me serviront jamais. Voilà. Donc là je vais vous montrer cette revue. Il y a des petites choses qui me plaisent encore hein, comme d'habitude. Bon, il y a des choses un peu trop courtes, il y a des choses qui très classiques mais qui me plaisent beaucoup. Il y a voilà, donc ce sera celui-là que j'ai été chercher donc hier. Il y a de très belles choses dedans. Début de semaine, enfin pas lundi, mais peut-être mardi, vous devriez avoir la vidéo avec la présentation de ces trois revues. Voilà. Alors, maintenant, nous en sommes à combien? Ah ben, 1 heure. On a déjà papoté 1 heure, vous vous rendez compte? Que le temps passe vite. Alors, ma couverture.
Ma couverture. Bon. J'ai avancé un petit peu, hein, mais... Alors j'ai fait combien? 1, 2, 3, 4. J'en suis au cinquième jour. Donc j'ai fait 5 jours. Voilà. Bon, là, pendant le montage de cette vidéo, ça va encore monter, hein, de toute façon, puisque je fais principalement quand je monte les vidéos. Mais je crois que je vais la sortir à chaque montage de vidéo. Comme ça, j'avancerai un peu plus vite. Donc, c'est ma couverture. En plus, il nous reste une quinzaine de jours, hein, c'est ça, un peu moins. Et le 1er janvier, on attaque la nouvelle. Celle-là n'est pas finie encore. Mais bon. Donc voilà. Hop. Je vous remontre. Donc celle-là, cette partie-là, c'est du 2 juillet au. Là pour l'instant, je suis arrivée au 18 octobre, 17 octobre. Voilà. Mais bon, on va essayer de mettre un coup de collier. Bon, j'ai perdu ma pelote. Ma pelote, elle est là. Et je ne lâcherai pas. Je la ferai jusqu'au bout. Quitte à la continuer l'année prochaine, hein, que je n'aurai pas fini, mais j'irai jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, tant que je l'ai là, j'étais dessus tout à l'heure. J'ai pas fait beaucoup de tricot, hein, cette semaine. J'ai pas fait beaucoup de tricot. Voilà. Le devant du pull de chouchou. Me dites pas que j'ai pas avancé. J'ai avancé. J'en étais là. Et voilà, j'ai avancé de 5 ou 6 rangs, voilà. J'en suis au, je regarde sur mon compteur, au 13. Donc là, j'ai encore 7 rangs à faire de côte 1-1. Et j'attaque mon jersey. Donc là, ça va être une mer de jersey, bien sûr. Mais c'est pas très grave, hein. Déjà, je ferai une aiguille plus grosse. Parce que là, c'est du 2,5. C'est long, le 2,5. C'est très long, le 2,5. Mais bon. Voilà. Chouchou l'aura pour le printemps. Hein. Et il n'est pas très large, hein, pour moi. Bon, là, il n'est pas détendu non plus. Hein. Donc voilà pour le pull de chouchou. Il y a quand même 5-6 rangs de filles. Ah, attendez, je me mets dans l'autre sens. J'ai toujours mal dans mon dos. Donc. Alors je voulais faire un bandeau. J'ai pas fait de bandeau. Alors je ne sais plus si j'ai travaillé sur celui-là. Le pull fil d'art. Voilà. Hop. Donc il avance bien. Et je pense qu'il va être bien chaud celui-là. Ouais, je pense qu'il sera bien chaud. Donc. Alors, je ne sais plus si j'ai avancé, mais
Marqueur est là. Et donc, il y aurait eu ça. Il y a des choses que j'ai oublié de marquer dans mon... C'est ça, mon tort, c'est que je marque pas au fur et à mesure dans mon carnet. Des fois, je marque après. Et puis, bah, du coup, j'oublie. Voilà. Donc, là, je suis sur le dos, hein, sur celui-là. Mais celui-là, vous rappelez, c'est celui que j'ai fait avec une autre laine. Ça m'a pas plu. J'ai défait. J'ai remis celui-là de côté. Mais bon, maintenant, ça y est, il est bien parti. Donc, ça devrait aller. Et là, j'en suis à... C'est le reste de ma deuxième pelote. Donc, celui-là, je le fais avec... Hop, voilà toi. La Pingo First. Voilà, le pingouin. En couleur lin. Voilà, couleur lin, oui. Et celle de chouchou, c'est la laine Calinou de Bergère de France. Ensuite, j'ai avancé. Je vous dis, en tricot, j'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai pas eu beaucoup de temps pour le tricot, mais j'ai avancé mon pull camionneur. Alors, lui, il a... Hop. Alors là, j'ai un petit défaut. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai essayé de refaire la maille, mais le petit défaut est toujours là. Je sais pas comment ça se fait. Et c'est pas une maille sautée, hein. Je sais pas ce que c'est. Je reprendrai à la main. Donc voilà, celui-là, donc il se voit dans ce sens-là, c'est du jersey en vert. Donc voilà ce que j'ai fait ici. Et je suis arrivée donc au 104e rang, voilà. C'est-à-dire que là maintenant, je vais attaquer les épaules. Alors je vais attaquer les épaules. Donc normalement ça doit venir, ça vient à peu près ici, hein, je pense. Du coup la hauteur. Alors attendez, je me lève. Donc, on voit. Oh bah si, ça va à peu près. Ça va, il sera pas trop court. Il y a un peu comme celui que j'ai là. Je ne peux pas reculer plus. Vous voyez? Normalement, il devrait arriver ici. Ouais, donc ça devrait aller. J'avais peur qu'il soit trop court. Mais ce petit défaut là, ça, il m'embête. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Ah, je perds mes mailles. Vous voyez, je fais des conneries. Ah, j'ai des bouchons, hein, des embouts là, d'aiguilles. Je pense pas les mettre. Je vais en mettre un tout de suite, sinon après je perds mes mailles. Alors, est-ce que la petite patte de chat, ils sont tout mimi ceux-là. Et c'est pour des grosses aiguilles ceux-là. Non, il y a encore. C'est pour les très grosses aiguilles. Oh.
Ceux-là, par contre, ils sont trop fins. Bon, ça ira. Voilà, une petite main. Il faut que j'en trouve des autres. Ils vont pas, ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc, niveau tricot, voilà ce que j'ai fait. Hein. J'ai pas su faire plus. Mais donc là, maintenant, sur celui-là, la semaine prochaine, le dos sera terminé. J'espère que j'aurai pu attaquer le devant en même temps. Alors, le devant, ça va être un peu plus short, puisque là, il y a un motif sur le devant. Donc, il ne faudra pas que je me plante. Que je marque bien quand j'arrête où est-ce que je suis arrivée pour pas me planter parce que là alors attendez, est-ce que je l'ai sur la... Oui, je l'ai sur ma tablette. Là, juste le temps que ça arrive. Alors, le camionneur. J'ai tellement enregistré des modèles. Voilà, voilà. Voilà. Vous voyez, bon là il va être mis de côté. Peut-être que si je mets comme ça va pas bouger. Ouais, ça va. Vous voyez, ils ont le devant, donc ce qui est enfoncé, c'est du jersey en vert, et ce qui est en blanc, c'est du jersey en droit. Voilà, donc ça va faire des genres de petites côtes. Il faudra bien que je marque où j'en suis. Enfin, là au début où c'est droit, hop là, ça fait quoi? Là en bas, ça va, mais c'est quand je vais arriver dans le. Là ici, là il faudra bien que je note quand je pose mon tricot parce que sinon je vais. Ça va faire, alors est-ce qu'on le voit là? On ne voit pas bien bien bien, mais oui, voilà le dessin que ça va faire. Mais bon, ça devrait aller. Attendez, pourquoi il y a plusieurs ça c'est... Ah d'accord, taille S, taille M, taille L. Ah, donc moi il faudra que je me repère à celui-là. Encore, il y a un schéma par taille. Voilà. Ah, donc ça c'est ce sera le mien, XL. Donc il y a un schéma par taille. Donc c'est bon. Hop. Mais bon, ça devrait aller. Et ben voilà, je me disais qu'on m'avait pas demandé la pause pays-pays. Hein. Là, on me la demande. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc voilà, tricot, vous avez tout vu, le DP, la broderie, le tricot. Bon, comme je vous ai dit, je voulais me faire un bandeau, mais je n'ai pas trouvé de modèle. Enfin, si, il y a plein de modèles, hein, mais je n'ai pas trouvé un modèle simple et rapide pour l'instant. Bon, je regarderai ça cette semaine, on verra bien. Bon, cette semaine, ça va être un
Enfin, j'ai un peu plus hard parce que ça va être Noël le week-end prochain. Mais nous, on fait rien de. On fait rien de spécial. Je vous l'avais dit. Et donc voilà, nous, toutes nos courses sont déjà faites, à part le frais. On va aller chercher à la dernière, enfin pas à la dernière minute, parce que je vais pas y aller le jour du réveillon au magasin, ça c'est sûr. Non, 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 je laisse passer les fous. Pacha, viens la maman, viens avec maman. Viens, maman. Allez, tiens, passe. Ah. Et viens là. Oh non, tu veux ça? T'as pas voulu ça? Alors, Géry a voulu sortir. J'ai le Pacha, je lui dis, tu sors? Oh non. Maintenant, il veut. Je reviens. Me revoilà. Heureusement que Fifi, elle se débrouille toute seule, hein. Bon, ben aujourd'hui j'ai l'impression que la vidéo va être un petit peu plus courte. J'en suis désolée. Alors, on m'a demandé où j'en étais avec ma chaussette. J'en suis toujours au même point. Non, j'ai vraiment du mal à chaussette. J'ai du mal. Puis là, bon, j'ai vraiment pas ressorti. Je vous l'ai dit, hein, je vais essayer de la faire avec la vidéo en direct, directement avec la vidéo de Kumquat. De regarder la vidéo et de faire en même temps. Mais là, je crois que ça va attendre que les fêtes soient passées. Ouais. Je crois qu'on va attendre que les fêtes soient passées et puis on verra. Ce sera mieux. Alors, je crois que je vous ai tout montré. Je vérifie. Oui. Ça, j'ai montré, j'ai montré. Oui, j'ai tout montré. Alors, semaine prochaine. Alors, ça va être, comme je vous ai dit, ça va être une semaine peut-être un peu plus courte. Alors, je ne sais pas, parce que dimanche, je vous ai toutes très prises, je pense. En tout cas, vous serez sûrement beaucoup plus prises que moi pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est pour ça que je pense que la vidéo va être un peu plus courte la semaine prochaine. Je pense que je filmerai la vidéo. Vendredi soir, voilà, au lieu de samedi soir, et je vous la mettrai en ligne samedi au lieu de dimanche, puisque dimanche ce sera le jour du réveillon. Mais je dis peut-être, hein. Je pense que je ferai comme ça. Je reverrai de toute façon, mais ouais, je pense que je referai comme ça. Exceptionnellement, et la semaine d'après aussi, peut-être, je verrai, et on reprendra peut-être le rythme normal du dimanche. Mais enfin, dites-moi sinon, hein, si vous voulez quand même la vidéo plutôt dimanche, le jour du réveillon, moi je vous la lance pour dimanche. Hein. Moi de mon côté, ça ne me pose aucun problème. Dites-moi en commentaire. Si vous voulez avoir la vidéo exceptionnellement samedi au lieu de dimanche, ou si vous la voulez dimanche comme d'habitude, voilà, dites-moi. Et je ferai à la majorité des avis. Oh, je rattrape des petits moucherons. On est en hiver. Voilà. Je suis désolée, j'ai fait beaucoup de bruit, mais ces bestioles ont été tranquilles. La température remonte un tout petit peu, vraiment un petit peu. Hein. Et ben, les moucherons reviennent. Ça me gave, ça m'énerve. Oh!
Restons zen. Oui, donc je disais, dites-moi en commentaire si exceptionnellement la semaine prochaine vous voulez la vidéo en ligne samedi ou si vous la voulez comme d'habitude dimanche. Voilà. Moi, je vais m'en arranger. Ne vous inquiétez pas pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau la semaine prochaine? On va faire, comme d'habitude, hein, la broderie jus de carotte. Le sale du Red Jones. Du coup, là, je ne l'ai pas. Je vous ai dit, hein, il y avait une erreur. Donc, je ne l'ai pas démonté. Je n'ai pas eu le temps de la démonter. Donc, là, ça y est, il est terminé, ce sale. Le sale du Red Jones est terminé. Ils ont donné. Elle a donné la dernière grille vendredi. Voilà. Donc, c'est terminé. Et moi, j'en suis à la troisième partie. Hein. Il y en a six, je crois. J'en suis au milieu. Pareil, je ne cours pas. Je le fais. Mais comme j'avais dit. bon, je ne m'inscris. Je vais éviter de m'inscrire pour d'autres salles extérieures aux miennes. Puisque je vous avais dit que je mettais en route plusieurs salles sur mon groupe. Pour l'instant, il y en aura. Oui, il y en a pour l'instant. La salle du Nouvel An, salle peinture de brodeuse. La salle d'Alice au pays des merveilles. Il n'y avait pas un quatrième? Maman, j'ai un trou. Non, je crois que pour l'instant, il y en a trois. C'est déjà pas mal. Donc sur les trois, moi il y en a deux que je vais faire, puisqu'il y en a un que moi j'ai déjà brodé depuis plusieurs années. Donc je vais en faire deux. Et donc je vais essayer d'éviter de me réinscrire à des salles ou à. Voilà. Je veux bien en organiser pour les autres. Mais moi, c'est bon. Mais moi, c'est bon pour l'instant. Donc, le jus de carotte de Lily Point. Le salle du Red Jones, avancer un peu le calendrier de l'Avent. Hein. Le salle mystère de Sabine, ça c'est sûr que je vais me mettre dessus. Essayer de terminer ma fleur que je fais en duo avec Céline. La grenouille, du coup, elle sera mise de côté. Le salle de Julia, bah oui, je vais le faire parce qu'il ne reste pas grand-chose à faire. Le dragon, oui, je vais prévoir. La broderie météo de jardin privé, oui. Ma maison météo aussi, bien sûr, hein, parce que là, il faut que j'avance un max pour être prête pour le 1er janvier. Ah bah oui, c'est ça, oui. Le quatrième, c'est la maison météo. J'avais bien, hein. Et ma broderie estampée du dimanche. Ensuite, je verrai suivant que je vous dis comme si jamais la semaine est plus petite. Voilà. Et ben, niveau tricot, de toute façon, c'est toujours les trois mêmes, hein, débardeur de chouchou, mon pull camionneur et mon pull Filda. Puis la couverture, bien sûr. Donc voilà, il restera aussi le DP. Là, j'attends que vous choisissiez les numéros. Si je pense pas que j'aurai le temps de refaire un DIY ou je referai peut-être un sapin puisque j'en ai trois. Je referai peut-être un sapin. Et puis voilà. Bah, écoutez, déjà avec tout ça, ce sera déjà bien garni. Hein. Niveau vidéo. Je ne sais plus où j'ai mis le papier. C'est pas ça. Ah, ici, je crois. Alors.
Voilà. Donc, niveau vidéo, qu'est-ce que je peux... Ah oui, très important. J'ai oublié de la faire. Alors, cette semaine, il faut que je la marque. Parce que sinon, je vais oublier. Vidéo. Alors, présentation des revues. Donc, les revues. Voilà. La vidéo pour la couverture météo de 2024. Je suis en retard là, je devais la faire et j'ai pas eu le temps. Et également pour les salles, donc le salle peinture de brodeuse. Donc ça c'est une création à moi, hein. Peinture de brodeuse, c'est une grille que j'ai créée. Voilà. Et le salle du Nouvel An. Donc ça, c'est 4 vidéos super importantes que je dois absolument faire cette semaine. L'épée sapin, c'est fait. Ça, les dessous de verre de chouchou, je vous les ai montrés. Bon, ça c'est des choses un peu moins importantes mais que je vais faire. Voilà, ouais, les plus importantes c'est ces 4 là. Vous présenter les revues de tricot, faire la couverture météo 2024, le salle peinture de brodeuse, le salle du Nouvel An. J'ai l'impression d'oublier un truc, hein, mais je ne sais pas quoi. Bon, ça y est, ça me reviendra. Et de toute façon, j'ai toujours mon autre liste de vidéos que je fais au fur et à mesure. Voilà. Donc, il y en a que je ne pourrais pas vous faire. Non, celle-là, elle est annulée. Hop. Il y en a que je ne pourrais pas vous faire tout de suite, par manque de temps également. Je vais laisser passer les fêtes. Et il y a quelques petites vidéos qui seront rapides que je vais faire. Voilà. Et des celles que vous m'avez demandé que je n'ai pas encore eu le temps de tourner. Et ensuite, j'ai le bilan d'épée de Chouchou. Donc, vous montrer les DP hein, qu'il a fait cette année. Donc, Chouchou, vous m'avez demandé mon bilan broderie aussi. Voilà. Et je viens de penser un truc, je ne sais plus. Ça y est, je suis un vrai poisson rouge, mais un vrai poisson rouge. Je sais plus. C'est rien, c'est pas grave. Donc voilà. N'oubliez pas, de toute façon, si vous avez des suggestions, hein, des demandes particulières, je vous laisse me les noter en commentaire. Je ferai mon possible pour les faire, de toute façon. Voilà, ouais, je crois qu'on a fait le tour. Alors, vous voyez, la vidéo est un petit peu plus courte que la semaine dernière. La semaine dernière, elle faisait 1h40 et là, nous sommes à 1h30. Je n'ai plus rien à vous montrer pour les 10 minutes que je pourrais grignoter. Mais c'est pas grave. Voilà, il faut aussi c'est que je bobine mes fils que j'ai eu chez VIP Crostiche, là, mes 447 échevettes. Donc j'ai ça à faire aussi, mais ça bon, je peux le faire le soir en regardant la télé. Ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord étiqueter toutes mes bobinettes, comme ça après je suis tranquille. Une fois que mes bobinettes sont étiquetées, après je... bobiner et ça va beaucoup mieux.
Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous faire à tous des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour la semaine prochaine si vous voulez avoir, vous préférez avoir la vidéo ce samedi au lieu de dimanche, exceptionnellement à cause du réveillon. Et on fera pareil pour le nouvel an dans ce cas-là. Moi, ça, je vous l'ai dit, hein, ça ne m'embête pas du tout. Hein, que je le fasse pour le samedi ou que je le fasse pour le dimanche, moi, ça ne me changera rien du tout à mon programme. Donc, je ferai comme ça vous plaira. Pensez également qu'il y a encore le calendrier de l'Avent pour quelques jours. Donc, n'hésitez pas à participer. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Comme ça, vous aurez toute l'actualité de mes vidéos et vous pourrez participer tranquillement à mes concours, au calendrier de l'Avent. Voilà. En étant sûr de ne pas rater les tirages au sort. Et puis, bah, c'est surtout, bah, c'est plus sympa de participer à des concours ou quoi en étant abonné à la chaîne. Voilà. Que de venir juste en catimini essayer de gagner un lot. Voilà, bon bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Je vais vous faire des gros bisous. Vous voyez, j'essaye de papoter, mais non, là je n'ai plus rien à dire. Je n'ai vraiment plus rien à dire. Allez, je vous fais à tous des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.